l'avantage avec Philippe Jacquot, c'est qu'on se connaissait déjà. Il avait fait la musique de mon spectacle, Ma vie rêvée. Et donc, on a pu travailler très en amont, ce qui est assez rare. Quand nous avons commencé à parler de la musique avec le réalisateur Michel Bougenard, on s'est vite mis d'accord sur le fait qu'on voulait aller dans une direction assez classique, puisque c'est un film autour d'une jeune violoncelliste qui s'apprête à passer le concours d'entrée au conservatoire. J'ai utilisé en fait un orchestre avec un dialogue avec des parties de violoncelle et aussi du piano, un peu à la manière d'un concerto. On s'est vite rendu compte, après quelques démos, qu'on avait besoin de donner un sentiment assez léger au film. Le sujet du film en lui-même est grave, et la musique devait tirer un peu le film vers le côté joyeux plutôt que triste et lourd. Le film est très, pour moi, très joyeux parce qu'il traite de quelque chose d'assez grave, mais en même temps, il est très joyeux, il est très positif. C'est pas un film qui fait du mal, c'est un film qui fait plutôt du bien. C'est la supervision musicale, c'est-à-dire c'est d'être un peu au croisement entre de la relation entre réalisateur et compositeur. Ça veut aussi dire qu'il faut savoir s'effacer quand cette relation fonctionne bien. C'est le cas dans ce film, parce que Michel Bougenard et Philippe Jacquot, tous les deux, ont construit assez tôt une relation de travail. Notre travail a été d'être dans ce dialogue avec le compositeur et lui fournir ce qui nous semblait être le mieux pour sa musique, donc trouver le bon studio, trouver le bon orchestre et faire en sorte que la couleur musicale soit respecté. Sur mes deux premiers films, la musique s'est composée après le tournage. Et là, on avait des thèmes, on avait des propositions, on avait des choses dès la préparation du film, quoi. On n'arrêtait pas de s'appeler, ils m'envoyaient des essais, on en discutait. J'ai même essayé de la musique sur des images, sur des rushs du film, enfin voilà. J'aime assez l'idée ancienne du thème qui parcourt un film. Ça permet, je pense, de garder inconsciemment un lien avec les personnages du film, et même un lien inconscient avec les spectateurs. Et en plus, au niveau de la composition, c'est beaucoup plus intéressant à faire, puisqu'on peut avoir une vision sur la totalité du film et savoir où on va réutiliser un thème, le confronter à un autre, le varier, le rendre plus léger, plus lourd, plus rapide, plus lent. Enfin, pour moi, c'est ça, composer la musique d'un film. On est vraiment au plus précis, au plus fort dans la relation de la musique à l'image, puisqu'il faut travailler en parfaite synchronisation. C'est assez intéressant parce qu'il va falloir, en réalité, travailler avec une violoncelliste, qui n'est pas l'actrice qu'on voit à l'écran, pour rendre tout ça parfaitement réaliste. Et en même temps faire ce qu'on fait toujours en cinéma, c'est-à-dire tricher, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'écran et pas vraiment ce qui se passe, mais tout doit paraître parfaitement cohérent à l'arrivée. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on a concentré nos efforts.
la dernière scène de l'audition. La musique qui est utilisée, en fait, c'est celle que j'avais faite tout au début. Michel n'en était pas sûr et j'ai refait peut-être 3 ou 4 versions différentes. Et au final, on a gardé la première. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs quand on se rend compte que l'énergie de départ est très souvent la bonne. C'était une vraie collaboration, c'était très agréable.